J'ai emménagé le 2 juillet 2015 à La Palombière. Donc voilà, c'est des appartements qui sont agréables et très lumineux, avec des ouvertures partout, une vue sur la campagne, donc c'est super agréable. On a eu une réunion à la mairie, donc on a vu chacun nos appartements sur plan. Et ensuite, on avait eu une prévisite avant que ce soit terminé, il me semble un mois avant. Nous, notre travail depuis qu'on a monté notre agence, on travaille beaucoup sur le logement collectif et on est très attaché à cette idée de communauté. On est des naïfs et optimistes, comme tous les architectes. Et donc l'idée de définir un peu les conditions spatiales d'une cohabitation heureuse, bon, ben, ça, c'est un objectif qu'on a, je dirais, sur tous les projets. On a cherché à créer des espaces où les gens pouvaient partager, se croiser, et d'autres espaces purement individuels de qualité, avec ces grands balcons qui font jusqu'à 10 à 20 mètres carrés. On a un logement par niveau, voilà. Donc on a essayé de trouver la juste composition entre cette idée d'être chez soi et partager. Non, c'est trop bien. Avec un petit jardin, mon chien Cercle, il veut... Bon, il y a beaucoup de trucs encore à faire, de rangement et tout ça. Mais bon, petit à petit, on froid. Doucement. J'ai emménagé en juillet ici. Bon, les enfants faisaient du vélo, tout ça, mais sur les portes fermées. On n'entend rien. Rapport aux autres HLM que j'ai connus, moi, on entendait marcher, on entendait tout, même jusqu'au voisin d'éternuer. Que là, non, j'en ai. C'est tellement calme qu'il nous faut de la musique, de la télé, les oiseaux qui chantent. Assis. Dans l'imaginaire suburbain, effectivement, il y avait l'idée de la maison, de l'échelle de la maison, de retrouver l'échelle d'une grosse maison et de ne pas construire d'immeubles, on va dire. C'était un petit peu, je pense, une idée importante pour nous. Voilà, d'avoir cette échelle de grosse maison, de maison de maître, mais complètement déshabillé finalement de tout le reste, c'est-à-dire c'est très lisse, c'est des matériaux, il n'y a pas de couleur, c'est un enduit gratté, un enduit lisse, il y a des pattes de verre, il y a des parpaings, il y a du béton, c'est donc des matériaux bruts, très simples, très neutres. Veuillez patienter, nous traitons votre appel. Les façades sont porteuses et au centre des bâtiments, on a en général un point porteur. Il n'y a pas de mur de refend porteur, donc ça permet aujourd'hui de superposer les typologies et de les faire pivoter les unes par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on a parfois sur un même bâtiment deux logements de même type, dont l'un a une grande terrasse au sud et l'autre à l'étage du dessous a une grande terrasse à l'ouest. Mais ça permet également, sur le long terme, aux bâtiments d'évoluer. C'est-à-dire que les bâtiments qu'on fait ici, ils sont probablement là pour 50 ans ou un peu plus. Et on peut imaginer que dans cette longue vie du bâtiment, il peut y avoir des évolutions sociales, typologiques, qui conduisent à des modifications, même mineures, de l'organisation des logements. On est arrivé ici au mois de juillet l'année dernière. C'était tout blanc, les murs. Donc on a peint les couleurs qu'on voulait. Bah, avant, on habitait chez nos parents. Donc là, c'est notre premier logement ensemble, en fait. Pour l'instant, on est bien là, mais on restera pas toute notre vie ici, quoi. C'est pas des programmes où il y a une forte demande d'architecture, initialement. Il y a une demande sociale. Mais nous, architectes, on a envie que ça soit un peu plus qu'une réponse sociale. C'est quelque chose qui nous tient à cœur. Enfin, on veut aussi apporter une autre épaisseur, qui est quelque chose qui a plus à voir avec un espèce d'imaginaire culturel, de la belle construction, de créer des conditions de vie qui égale ce qui pouvait être réalisé en France il y a de nombreuses années, mais qui a tendance à disparaître. Bonjour. Oui.
Je propose peut-être, chers amis donc du collectif AJAP, qu'on commence, en effet, restons sur ce projet qu'on vient de voir, de Montefort, puisque ses protagonistes sont là. Je vous laisse introduire le thème et les architectes. Rebonjour. Nous, en tant que commissaire, effectivement, on ne pouvait pas passer à côté de la question de l'habitat, comme il est décrit ici. Et hier, on s'est retrouvé aussi à parler de la question de l'habitat et du logement, et la fin du logement. C'était assez intéressant. Ce qui nous a intéressé, c'est quand même, dans un panorama qui s'intéresse à l'architecture et au territoire, de montrer en quoi le travail des architectes aujourd'hui s'intéresse à une sorte d'héritage issu de la révolution industrielle, la fabrication du logement de masse. Donc, voilà, c'est pour ça qu'on a choisi ces opérations qui ne sont pas des opérations, très dans des contextes très valorisés, donc à côté de Saint-Nazaire, donc une opération lambda, on va dire, de logement. Il y en avait d'autres, celle de Harari. Et ici, montre que les architectes ont vraiment un souci justement de transcrire cet héritage des typologies, de la fabrication, des conditions sociales de réussite. On s'est intéressé aussi dans la biennale aussi des conditions d'habitat des plus nécessiteux et qui sont présentées ici par le projet à Saint-Denis, mais aussi par Cyril Anap et Pascal Geoffroy, qu'on va peut-être prolonger le débat avec eux, puisqu'on avait des questions qui grattaient un peu hier. Non, mais c'est vrai que vous avez choisi deux projets très différents. Un projet, effectivement, qui s'inscrit dans une histoire du logement social et qui remet en question les modes de production, y compris techniques. Et puis, effectivement, un projet, lui, qui pose la question d'un autre besoin de logement qui peut-être ne trouvera pas sa solution dans cet héritage, cette tradition française du logement social. Mais peut-être passons-nous d'abord la parole aux auteurs de Montoir, puisque les images sont fraîches. Je ne sais pas, Stéphane, si on peut garder une image du film à l'écran, de manière à ce qu'on reparle de ce projet. Malheureusement, le maître d'ouvrage n'a pas pu se joindre à vous, parce que je crois que le travail a été très étroit avec lui pour casser... faire bouger ce modèle de logement un peu périurbain, un peu. Oui. On parlerait pour lui. Oui, effectivement, après le débat que je viens d'entendre, j'ai l'impression d'être un peu le vilain petit canard, puisqu'effectivement. Mais c'est pour ça que. Nous, on s'intéresse, je dirais, c'est un petit peu peut-être que chaque architecte a un destin. Nous, on travaille. Sur la question de la norme, on est assez normaux. Et les opérations sur lesquelles on travaille depuis plusieurs années, c'est souvent des opérations dans un cadre assez classique. Donc c'est vrai que je suis un petit peu envieux de la liberté qu'ont réussi à gagner les confrères qu'on a entendus juste avant, à essayer de devenir quasiment leur propre client. Donc ici, ce n'est pas vraiment le cas. C'est une opération, voilà... qui a toutes les caractéristiques d'autres opérations qu'on pourrait trouver en France. Et nous, ce qu'on essaye de faire dans ce contexte, c'est de se mettre en marge, d'essayer d'être un petit peu aux limites du système, dans les bordures du système, pour, dans ce cadre un peu classique, apporter des qualités, des performances, une sorte de poésie peut-être, qu'on peut malgré tout faire exister. Parce que ce qui nous intéresse, ce qu'on voulait montrer avec cette petite image, c'est qu'on pense qu'il y a quand même une forme de... Et c'est vrai à Montoir et dans d'autres projets qu'on a pu faire, mais peut-être qu'à Montoir c'est particulièrement éloquent, qu'il y a une forme de beauté dans quelque chose qui serait assez essentiel. Voilà, c'est un petit peu ça qui nous guide. Donc effectivement, on a travaillé... avec notre maître d'ouvrage, mais c'est vrai que, et c'est, je le regrette peut-être un petit peu, il y a quand même beaucoup de choses dans le projet qui sont un petit peu là, malgré lui, je dirais. Eh bien,
je dirais qu'une fois que les choses sont faites et construites... Merci Stéphane de passer d'activer le diaporama. Tout le monde est content, mais c'est quand même un processus, c'est un processus assez... combatif. Voilà, c'est beaucoup de sueur, un petit peu d'encre, pour faire passer des idées qui ne sont pas forcément évidentes. Donc, à Montoir, il y a un double processus. Il y a à la fois l'idée d'une sorte d'adaptation à un contexte. Alors, pas, je vais peut-être les passer, les diapos. C'est avec ça, ouais, c'est d'accord. Adaptation à un contexte, et puis un processus de transformation. Il y a un peu deux mouvements contradictoires. Donc, l'adaptation, bah, c'est que c'est un site, comme vous le voyez, voilà, très suburbain. Il y a la campagne d'un côté, un univers pavillonnaire en construction de l'autre. Et donc, dans ce contexte, nous, ce qu'on souhaitait, c'est une inscription assez douce, je dirais, donc à la fois sur la topographie, parce qu'il y a une topographie assez marquée sur l'ensemble du site, il y a environ 1,50 m, et puis que le projet garde une certaine perméabilité, c'est-à-dire qu'on continue à voir, entre, on voyait le petit plan masse avant, on peut circuler librement, chaque bâtiment est sécurisé, mais on peut circuler donc, dans le projet, qu'on y habite ou pas, on peut voir à travers, selon les points de vue, la campagne d'un côté, le quartier pavillonnaire en développement de l'autre, ça reste quelque chose d'ouvert. Donc ça, c'était quelque chose de très important. Également, le fait que la parcelle soit un peu épaisse faisait qu'on pouvait constituer une sorte de paysage intérieur, ce qui est quelque chose d'assez important. C'est quelque chose qui est, c'est un projet qui est très planté, même si ça ne se voit pas encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, c'est un intérieur. Ce n'est pas seulement un bâtiment. De fait, c'est 16 bâtiments, 16 grosses maisons. Qui est donc voilà, l'autre versant de cette adaptation, c'est une adaptation à ce qu'on a appelé voilà, l'imaginaire suburbain. C'est quelque chose qui nous préexiste. Même si ça évolue, il y a des sortes de stéréotypes. Et d'une certaine manière, essayer de jouer avec ces stéréotypes, on pense que c'est une manière que le projet s'inscrive avec une certaine voilà, douceur dans cet environnement, malgré, je dirais, ce qu'on pourrait appeler ça. Oui, c'est pas une médiocrité, quoi. C'est pas un univers urbain qualitatif. Mais on s'inscrit là-dedans. Donc c'est par exemple l'usage de la voiture. Quand on habite là-bas, on utilise sa voiture tous les jours. Donc ce qu'on voyait sur le petit schéma précédent, on se gare, on rentre chez soi, on rentre chez soi avec sa voiture quasiment. Donc ça c'est quelque chose de fondamental. C'est une échelle de maison, de grosse maison. Et c'est des matières très neutres, grises, de l'enduit, des pâtes de verre qu'on vient appliquer un peu comme un tatouage sur certaines portions des façades, de l'acier, du parpaing. Donc c'est des matières très ordinaires. Qu'on utilise avec un certain soin et avec une volonté, je dirais, d'abstraction qui fait que c'est pas, bien sûr, quelque chose qui est... On essaye de, voilà, de subvertir un petit peu le regard, c'est-à-dire que, au premier abord, ça peut paraître assez élémentaire, et puis quand on s'y promène, quand on y habite, on va découvrir une certaine sorte de sophistication, peut-être, dans la manière dont les choses ont été construites. Donc, ça, c'est un petit peu, voilà, on parlait d'adaptation, c'est un petit peu ce versant. Alors, par ailleurs, bien sûr, on essaye de venir un peu transgresser les modes de vie et de proposer un type d'organisation spatiale qui vienne, voilà, un petit peu subvertir, un petit peu titiller les habitants et essayer de d'inciter à une forme de cohabitation et de d'usage du lieu qui ne soit pas l'usage qu'ont les habitants qui habitent juste en face dans leur petit pavillon au milieu de leur parcelle. Donc, on cherche voilà, une organisation spatiale qui soit un petit peu différente. Donc, à Montoir, c'est ce principe d'unité de voisinage, c'est-à-dire que c'est 16 grosses maisons, mais en fait, elles sont jumelées par deux. Donc, à chaque fois, c'est environ 7-8 logements qui sont rassemblés autour d'une cour. Et cette cour, c'est un espèce d'hybride. On peut peut-être rester sur le schéma qui était juste avant, là. C'est une sorte d'hybride collectif-individuel. C'est-à-dire que techniquement, c'est un petit peu compliqué quand vous discutez avec un aménageur, un concessionnaire. C'est soit collectif, soit individuel. Alors, quand on veut faire un petit peu des deux, c'est-à-dire qu'effectivement, la perception du projet, c'est des grosses maisons, mais en fait, c'est un logement par étage. Donc, l'usage qu'on va en avoir, il est très individualisé, finalement. Il y a des logements qui sont accessibles directement à rez-de-chaussée, mais il faut ruser avec tout ça, parce que si vous voulez mettre, là en l'occurrence c'est du chauffage au gaz, il faut amener le gaz avec des compteurs, et il va y avoir 8 compteurs séparés. On va gérer tout ce qui est ventilation avec des caissons centralisés, donc on joue un petit peu sur les deux tableaux pour constituer ça, et c'est en fait beaucoup plus compliqué que quand on fait une opération de logement collectif classique où on fait une grande gaine palière verticale, on met tous les locaux communs au rez-de-chaussée et c'est réglé. Ici, en fin de compte, tout est un petit peu disséminé et il faut jongler avec ça pour
voilà, maintenir un petit peu la cohérence de l'ensemble. On peut continuer. Et dans cette organisation, ce qui nous intéresse, c'est d'essayer de trouver un lien, je dirais, un peu organique, c'est ce qu'on peut aller à la suite, entre cette forme urbaine, donc de grosses maisons disséminées sur le territoire, et une organisation typologique. Parce que la qualité du projet, c'est que les maisons sont très proches les unes des autres. Il y a 6 mètres, 7 mètres 50. C'est une sorte d'ambiance un peu villageoise qu'on a reconstituée dans un territoire un peu plus diffus. Et donc, pour compenser ces proximités, il faut que les logements ils aient des ouvertures, des fermetures. Donc, les logements, ils ont 3 voire 4 orientations et ils ont toujours ces loggias qu'on voit ici. Donc ils sont soit à l'ouest, donc là c'est une loggia à l'ouest, il y a des loggias à l'est, il y a des loggias au sud, et elles sont plus ou moins organisées pour éviter les vis-à-vis ou en tout cas tempérer les vis-à-vis. Elles ont toujours 3 orientations parce qu'elles sont creusées dans la masse des bâtiments. Donc elles sont assez basses sous plafond, de fait des relevés d'étanchéité, mais elles sont comme ça très ouvertes avec quelque chose d'assez panoramique sur le paysage avec des orientations toujours sud, est, ouest. On voit la campagne au nord, on a le soleil au sud ou des débouchés. Donc ça fait qu'on peut vivre proche les uns des autres, mais avec la possibilité de se fermer d'un côté et de s'ouvrir de l'autre. Et dans cette organisation typologique, l'autre point important, c'est que les typologies des logements sont très variables. C'est-à-dire que effectivement, de loin, on voit une grosse maison qui se ressemblent plus ou moins les unes des autres. Et en fin de compte, dans ce système-là, il y a un système structurel qui est un petit peu atypique, c'est-à-dire qu'on porte sur le périmètre, c'est des maisons qui font 10 mètres par 10 ou 10 mètres par 15, et on a un point porteur central, un poteau béton qui monte jusqu'au R+1, et ensuite une charpente qui porte l'ensemble. Et donc, on organise là-dedans différents types de logements qui ont, par exemple, 2 logements superposés qu'on voit ici et ici. Ils sont l'un au-dessus de l'autre, mais il y en a un qui a sa loggia à l'ouest, l'autre qui a sa loggia au sud. Donc, de fait, leur organisation est très différente. Et d'autre côté, on a avec une cage d'escalier commune, des duplex ou des faux duplex qui permettent d'avoir une grande variété typologique. C'est ce que j'expliquais dans le film, c'est-à-dire que bon, ça c'est quelque chose qu'on a fait dans beaucoup de nos projets, mais qui est quelque chose qui nous semble très important, c'est que les bâtiments, il faut qu'ils puissent évoluer, et pour qu'ils puissent évoluer, il faut que leur structure soit, je dirais, intelligente. Donc c'est ce qu'on s'est évertué à faire ici, avec, comme on le voit, des modes de construction très traditionnels, un peu hybrides en fait, hein, un peu bâtards, c'est-à-dire qu'on a une charpente bois, mais on a un bac acier, parce que c'est ce qui s'est révélé être le moins cher, on a de la brique monomure, et des dalles béton, 30 cm d'épaisseur, très épaisses, sans poutres, qui gèrent les différents porte-à-faux et qui permettent cette évolutivité sur le long terme. Voilà, donc dans cette organisation-là, on se retrouve avec des logements qui sont donc de plein pied, avec un petit jardin, des logements qui sont sous les combles, on utilise le volume des toits, ou des duplex, faux duplex, avec un accès à l'étage, et puis les pièces de vie qui sont au-dessus, et on crée voilà, toute une sorte, je dirais, d'aménité domestique dans le traitement, je dirais, un peu plus détaillé des logements, les seuils, la dimension des fenêtres, les différentes orientations, le fait que les fenêtres soient parfois au nu extérieur avec une petite tablette, enfin, toute une série de petits, voilà ce qu'on appelle aménités, et qui font que les habitants peuvent s'y sentir aussi bien qu'on l'a espéré. Merci. Marc Bottineau, vous êtes en empathie avec ce jeu à la fois sur... C'est une déconstruction du modèle un peu dur du logement social, et puis ce jeu avec le stéréotype de la maison, dans le contexte. Oui, alors je me présente, hein, je suis architecte conseil de l'État en Mayenne. Voilà, j'aurais dû dire. C'est à ce titre que je suis là. Oui, moi je trouve ce projet intéressant parce qu'il prend... Enfin, je ne le connaissais pas, hein, donc là je le découvre. C'est un peu difficile d'en parler quand on ne connaît pas un projet, on ne l'a pas visité, mais en tout cas il me semble qu'il prend le contre-pied de façon assez subtile du lotissement. C'est-à-dire que le lotissement, oui, il est plutôt dans l'individualisme. Le mot n'a pas été prononcé tout à fait par vous, mais c'est bien ça le... Voilà, c'est ça, c'est plutôt que de l'entre-soi. Donc bon, tu parlais de cohabitation heureuse. Enfin, en tout cas, il y a une volonté comme ça d'aller vers une vie en collectivité, en travaillant des circulations coursives, je crois, voilà, et en ouvrant complètement cet ensemble sur l'extérieur. C'est vrai qu'à côté, j'ai l'impression qu'il y a un lotissement qui est complètement autiste aussi, qui ne regarde pas, il est près d'une forêt, je crois, c'est ça, ou d'un... Voilà, démarrer. Est-ce qu'on peut rester sur la dernière image, Stéphane, s'il te plaît. Et donc, voilà, ce projet s'ouvre au contraire sur le paysage. Donc, c'est plutôt, je trouve, une belle expérience. Moi, je suis confronté vraiment assez régulièrement à ces municipalités qui ne savent plus comment faire. Oui, c'est ce témoignage-là qui est important de votre part, oui. Voilà, ils sont toujours dans le même... Enfin bon, tout le monde le sait, mais toujours dans le même processus. C'est-à-dire, il y a une décision un peu unilatérale d'un élu de faire un lotissement.
parce que c'est une course en avant, quoi. Les élus, ils ont peur que leur école ferme, donc il faut vite amener des nouvelles familles, donc si possible avec des enfants. Donc on fait comme ça, on viabilise des parcelles, on fait appel à des géomètres et on continue donc de saccager le territoire. Donc moi, ce que j'essaye de faire en Mayenne, c'est essayer de réfléchir aux conditions de la commande, c'est-à-dire comment on peut modifier cette commande traditionnelle et inventer une commande un peu plus intelligente, entre guillemets. Voilà, donc j'essaye de travailler très en amont avec les maires. Et alors je dérive un peu sur mon expérience, mais je fais intervenir des étudiants chaque année dans des petits bourgs ruraux de Mayenne. Et je les fais déambuler dans le village, rencontrer les habitants et les élus, et définir avec eux un programme et des lieux d'intervention. Et ensuite, donc, ils vont travailler sur ces projets, ils vont exposer ces projets à la population, aux élus et à tous les gens qui veulent bien venir. Et ensuite, avec les élus, on va travailler à partir de tout ce travail pour lancer des consultations et cette fois passer de l'autre côté du miroir et être vraiment dans une consultation tout à fait classique. Mais ce qui est intéressant, c'est que tout aura été vu très en amont par une espèce comme ça d'addition d'énergie, d'addition d'intelligence. Et je pose la question à Grisha, c'est la première fois que vous faites cette tentative de rapprocher, enfin de jouer avec ce modèle de la maison, d'essayer de voir comment il est compatible, comment on peut quelque part jouer avec lui, et puis comment il ouvre des perspectives. C'est la première fois que vous avez déjà opéré comme ça dans d'autres programmes de logement ? Non, effectivement, c'était le premier projet, c'est la première fois qu'on travaillait dans ce type de contexte. Voilà, comme je l'expliquais, il y a d'autres stratégies qu'on avait déjà développé dans d'autres contextes, notamment sur la question de la structure, mais sur l'organisation typologique, c'était quelque chose qui est, je dirais, un peu induit par le contexte. Le souhait de la municipalité. Quand on connaît ce contexte de la Mayenne, est-ce que c'est un projet qui pourrait, à nouveau, je réemploie le mot, disséminer, qui pourrait être utile Nous, il y avait la volonté de l'aménageur, des intervenants autour du projet. La seule chose qui était vraiment formulée, c'était il ne faut pas que ça ressemble à du logement social. Je ne sais pas si c'est le cas de ce point de vue. Nous, ça ne nous dérange pas. On a souvent l'impression que finalement l'imaginaire esthétique du logement social, c'est quelque chose dans lequel on se retrouve plus que dans l'imaginaire esthétique de ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui l'architecture vernaculaire de promotion. Donc ça, c'est plutôt une qualité de notre point de vue, parce qu'il y a cette forme de neutralité, de l'idée que finalement le logement, il construit une sorte de contexte, finalement, même là où il n'y en a pas. C'est quelque chose qui est très important pour nous, de jouer avec la convention. C'est pour ça que quand je parlais au début du fait qu'on intervient dans des contextes normaux, c'est que quelque part on pense que c'est aussi important que la ville, elle soit, elle constitue un environnement, je dirais esthétique, culturel, qui n'est pas anarchique. C'est-à-dire qui, quelque part, s'inscrit dans une histoire de la construction, dans une histoire esthétique, et qui vienne jouer un petit peu avec, faire bouger les lignes un petit peu de cette histoire, mais avec subtilité. C'est un petit peu dans cette tradition qu'on s'inscrit. Donc, à Montoir, dans ce contexte-là, avec les vœux qui avaient été exprimés, c'est la réponse qu'on a trouvée. C'est un projet qui est en même temps complexe, et c'est vrai que c'est difficile d'en faire un prototype pour le futur, parce que ça a été quand même très compliqué de le construire. Donc ça me paraît toujours un peu bizarre, mais peut-être que les précédents intervenants diraient la même chose, qu'il ne faut peut-être pas se décourager pour ça, mais ça paraît bizarre d'imaginer que ça puisse être un prototype au vu, je dirais, de la difficulté à le faire émerger. Je préférerais on va dire découvrir ou mettre au point un système, enfin, j'aurais plus de facilité à l'imaginer comme prototype s'il s'inscrivait avec plus de naturel dans un processus de commande, de construction plus aisé. Mais j'ai l'impression aujourd'hui, et au vu des différentes expériences de logement qu'on a pu faire, que c'est quasiment impossible. C'est-à-dire que la norme amène vers la médiocrité. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est évident. Donc, la seule manière de
contrecarrer cette médiocrité, c'est soit de casser, je dirais, les règles initiales, c'est ce qu'on peut expliquer les intervenants avant, je dirais, soit, ce qui est notre cas, puisque nous on s'inscrit, je dirais, vraiment en bout de chaîne, d'essayer à ce moment-là, à ce stade, je dirais, du projet, de faire avec ces contraintes-là. Non, je pense que c'est, enfin, peut-être qu'effectivement ça peut pas devenir un prototype, mais ce qui est intéressant c'est le dispositif qui est mis en œuvre, c'est-à-dire il y a une pensée sur la structure, et donc enfin, tu parles de pérennité, qu'on peut transformer peut-être ces bâtiments dans le futur, parce que moi, enfin, juste une anecdote quoi, récemment il y a un maire qui est venu me voir qui me dit écoutez, je comprends pas, j'ai mon village qui grossit, qui continue de s'étendre, pourtant je perds des habitants. Bon, il a compris très vite que c'était en fait le problème, c'est qu'il y a des lotissements maintenant des années 70-80 qu'on ne sait plus transformer. Voilà, c'est pour ça que la question de la structure est très importante, parce qu'il faut pouvoir conserver quand même la capacité au bourg de se reconstruire sur lui-même, quoi. Il y a des friches pavillonnaires. Ah, mais maintenant on découvre des friches pavillonnaires, c'est extraordinaire. Par exemple, les lotissements des années 70 ou 80 où on passe la voiture en demi-niveau sous la maison, donc c'est pas du tout adapté aux personnes en situation de handicap ou aux personnes âgées, c'est des passoires thermiques, donc ça coûte extrêmement cher aussi de les rénover. Donc voilà, maintenant on se retrouve, enfin moi je m'attendais pas à ça, mais on se retrouve avec des friches pavillonnaires, quoi. Voilà, ça c'est donc là je travaille avec une équipe de maîtrise d'œuvre sur une opération de rénovation d'une friche pavillonnaire. C'est très intéressant, mais voilà, c'est pour ça que se poser la question de la structure, c'est indispensable. Oui, c'est-à-dire une espèce de santé de... De la capacité à la ville, enfin au bourg, à se renouveler sans cesse, quoi. Parce que sinon, si on continue à faire des boîtes jetables, c'est catastrophique. Un prochain colloque sur la friche pavillonnaire, puisque c'est effectivement le phénomène. Je pense que le phénomène est récent. Oui, c'est un sujet vraiment très intéressant. Ans, oui. Oui, en effet. Non, mais puis en plus, ça s'accumule, quoi. C'est-à-dire qu'on se prend ceux des années 70, 80, et puis bientôt ceux des années 90 et 2000, quoi. Donc, on s'arrête pas. Donc, c'est pour ça qu'il faut, faut réfléchir à comment on peut revenir dans les centres-bourgs, par exemple. Et, parce que là, c'est du patrimoine qui est costaud, quoi, dans les centres-bourgs. C'est-à-dire rénover des baraques. Et si ça coûte cher, peut-être qu'il faut, on en parlait récemment, dédensifier, quoi. En fait, démolir, ne pas hésiter à démolir quelques parcelles d'un centre-bourg pour faire sortir un potentiel et pouvoir y inscrire des opérations intéressantes qui soient un petit peu à l'image de ce qu'attendent des jeunes couples, par exemple, avec enfants. C'est-à-dire, finalement, il y a une équation à résoudre, je trouve, qui est comment on peut faire revenir dans le centre-bourg les qualités qu'on veut bien accorder au lotissement, c'est-à-dire des qualités d'ensoleillement, garer sa voiture, avoir un bout de jardin. Comment on arrive à faire revenir ça dans le centre-bourg, quoi. Ça, c'est un sujet passionnant. Merci. Nous, ce qui nous intéressait, c'est dans ces questions d'interroger le logement, c'était qu'on voit, le bout, enfin la fin, la limite de l'exercice. On voit bien que Richard, dans son contexte de commande un peu institutionnel, il est au maximum de ce qu'il peut faire en fait avec les moyens qu'il a. Et en se battant comme un lion. Mais après, dans la voie qu'il a choisie, il l'a bien précisé. Oui, non, mais je dis pas le contraire, mais on voit bien que la question du logement aussi, c'est réinterroger justement la question patrimoniale des centres-bourgs, et on voit que c'est émergent sur le territoire. Et puis la question de la norme, donc qui intéresse aussi d'autres manières d'habiter. Je pense à les sujets sur lesquels travaille Pascal, qui sont un peu justement à l'opposé. Oui. Comme vous voulez, parce que nous, effectivement, le deuxième exemple est Niklas Dünnebacke ne sera présent que cet après-midi, mais il est bien représenté effectivement par des personnes, par Cyril Anap et par Pascal Geoffroy, qui d'une part connaissent ce projet et Cyril montrera quelques images. On reviendra après cet après-midi dessus. Mais effectivement, je pense qu'on peut déjà problématiser un petit peu ce problème du logement de transition avant peut-être que Cyril, tu présentes le projet de classe du Neubacke. Donc Pascal. Oui, enfin, logement de transition ou logement du transitoire. J'ai dit transition parce qu'on a classe. Nicolas disait qu'on n'écrive pas logement d'urgence. Voilà, qu'on n'inscrive pas sur ce panneau logement d'urgence. Oui. C'est ça. Je précise. Alors effectivement, on est là dans le cadre d'un tout autre réflexion sur le logement, pas du tout institutionnel. Merci de remettre le PowerPoint de. Même dans un combat en fait contre un habitat
que sur le territoire français, on ne veut pas, hein, dans le fond. Alors moi, je raconte 5 minutes rapidement mon parcours. Enseignant à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, je me suis rendu compte, comme d'autres ici peuvent le faire, qu'en descendant au RER Champs-sur-Marne, on rencontre 3 populations, des étudiants, des profs et des Roms. Et puis, que quand on cible un tout petit peu, zoom un tout petit peu plus sur ce qu'on appelle le campus Descartes, donc un lieu avec beaucoup de bâtiments d'enseignement supérieur, il y a très peu de logements. En fait, les habitants les plus nombreux de ce campus, eh bien, ce sont les Roms, 800 personnes qui sont là en permanence et qui sont pour autant expulsées environ... en moyenne tous les 2 mois, 2 mois et demi. Expulsés, ça ne veut pas dire qu'ils partent, hein, ça veut dire qu'ils sont expulsés, qu'on détruit leur fragile habitat, qu'ils partent en 1 heure et donc n'emportent pas toutes leurs affaires, donc ils perdent beaucoup, donc retard à l'insertion, pauvreté accrue, etc. Ça aura coûté pour 50 Roms le prix d'un logement social, je tiens à le dire. Et puis, ils se sont réinstallés le jour même ou le lendemain. Ils construisent très vite, ils savent très bien construire très vite. Ils se sont réinstallés le jour même à 100 mètres de là, parce qu'ils se considèrent comme des habitants, non pas définitifs de Marne-la-Vallée, en l'occurrence. Ça serait pareil dans une autre banlieue parisienne ou même dans Paris intramuros, mais autant que possible. Ils aiment ce territoire parce qu'ils ont commencé à s'y installer. Ils savent où est le Super U, ils ont des associations qui les aident, et c'est leur territoire. Voilà, ce sont des habitants du territoire, mais par contre, ils ne sont pas installés dans le cadre d'un logement qui est autorisé. Donc c'est une espèce de chasse-poursuite absolument terrible et violente à laquelle on assiste. Alors, moi, comme j'allais par ailleurs régulièrement à l'école d'architecture, je m'amusais un peu des situations d'ignorance complète entre l'école d'architecture d'une part et cet habitat qui se trouvait à quelques centaines de mètres de là. Je m'amusais. Stéphane, merci d'installer le PowerPoint de Nicolas Dunepacke. Je m'amusais ou je me désespérais de tous les matériaux, toutes les protos qu'on faisait à l'école et qu'on foutait à la poubelle. Et puis je m'amusais aussi beaucoup, je dois dire, de cette petite chose formidable que des professeurs considéraient que c'était très intéressant le bidonville, mais qu'il fallait aller visiter les bidonvilles au Venezuela ou au Brésil ou en Indonésie. Mais alors que par contre, un voyage d'études en Seine-et-Marne à 100 mètres de l'école, c'était quand même pas très vraisemblable. Voilà, donc j'ai un peu pris ça en main et je me suis décidée à y réfléchir et cela s'est fait par 3 actions dans le fond, ou 3 types d'actions. D'une part, j'ai créé une association qui s'appelle Système B comme bidonville, dont je n'ai pas les photos aujourd'hui parce qu'on va t'y en apporter, mais on a privilégié l'action sur le terrain. On commence maintenant à faire un site. Vous pouvez trouver donc système bidonville, ça s'appelle sur le site est en création. Vous avez quelques éléments d'image. Et avec cette association co-créée d'ailleurs avec des anciens de l'école d'architecture, des anciennes de l'école d'architecture de Marne-la-Vallée, association d'architectes, nous avons commencé à fabriquer des choses en bidonville, non pas construire à la place d'eux, alors là on arrive sur des sujets de co-construction dont il a été déjà question, non pas construire à leur place, on a parlé aussi d'auto-construction, ils construisent bien, très bien, mais ils savent construire ce qui est immédiatement utile pour eux, et nous, ce qui nous a intéressé, c'est de les aider à construire des choses qu'ils ne construisaient pas. Alors on fait, pour faire vite, un peu d'isolation dans les baraques, parce qu'ils ne savent pas bien faire, un petit peu avec des tissus, mais on améliore. On fait de l'infrastructure, des passerelles ou des escaliers d'accès. On aménage des toilettes privées. On fait aussi des programmes qui nous sont commandés par des associations locales avec lesquelles on travaille, Convivance et Rome Europe en l'occurrence, qui nous ont commandé un accueil périscolaire, une forme d'école en fait, puisque malheureusement les enfants dans les bidonvilles en France non seulement sont expulsés plus que dans d'autres pays, mais ne sont pas scolarisés, ce qui est un grand drame, vraiment une grande honte même de l'État français. Donc on a construit pour cette association
une école, on va dire, 100% recyclée. Et là, il s'agissait donc d'une commande, voilà. 100% en matériaux recyclés, pardon. Et puis on invente aussi des programmes de temps en temps, comme ça, 3 francs 6 sous, par exemple des jeux d'enfants, des tyroliennes, des balançoires, etc., qui ne correspondent pas du tout à des commandes institutionnelles, mais qui sont importantes. La deuxième chose que j'ai faite, c'est de créer un enseignement à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Enseignement de master, donc, et workshop, parce qu'il me semble que les écoles sont des beaux terreaux de réflexion, de mise en œuvre d'un certain nombre de choses. Et évidemment, les jeunes étudiants se passionnent pour ces sujets-là. Ils ont raison. Et aussi qu'à partir du moment où on installe dans une école une réflexion comme ça, bah, ça peut aider à retourner un regard et à convaincre peut-être les élus locaux qu'il y a quelque chose à faire autre que ces expulsions permanentes. Et puis, troisièmement, je me suis intéressée effectivement, comme le disait Julien en introduction, à la question de la norme, ce que ça appelle comme regard un peu nouveau, ce que le bidonville appelle de notre part comme réflexion sur la norme, non pas la norme à foutre à la poubelle absolument, mais la norme en tant que, dans le fond, en tant qu'elle gêne la construction de logements réellement adaptés aux plus démunis, grande vulnérabilité sociale, grande précarité, migration, etc. Merci Pascal. Je pense qu'effectivement le débat qui pourra s'engager ensuite, c'est un débat qui pourra poser la question jusqu'où va le logement social normé et jusqu'où peut-il aller pour aller vers les plus précaires d'entre nous. C'est un débat intéressant. Est-ce que je peux demander à Cyril, dans un premier exercice de modestie, de nous présenter le travail de Niklas et ensuite, bien sûr, de prendre la parole au nom des engagements qui sont les tiens. Est-ce qu'on peut lancer le PowerPoint de... Ah ben, il est là, voilà. Tu veux le... Oui. Ou peut-être donc, on le passe en diaporama parce que, oui, je crois que voilà, c'est ça qui est bien. Pour, ouais. Encore une fois, puisque Niklas ne pouvait pas être là. Voilà. Oui, c'est donc la passerelle à Saint-Denis. Niklas m'a d'une baque que j'ai connu par Architectes sans frontières m'a demandé de présenter ce travail qui a été fait à Saint-Denis et qui s'inscrit en fait. La question, c'est un peu l'architecture pour les pauvres, hein, tout simplement. Hein, qu'on les appelle migrants, qu'on les appelle Roms, qu'on les appelle SDF. C'est les gens qui arrivent dans la ville. Qui n'ont pas de bagages. De travailleurs très précaires. Voilà, qui n'ont pas de bagages et pour qui il faut une architecture qui va être à la fois d'ailleurs un habitat, mais aussi quelque chose qui porte une activité économique et sociale. Et ça, c'est vrai que pour le moment, le schéma de l'architecture tel qu'il est pensé en France et dans la commande publique, etc., il n'aime pas du tout ça. Hein, alors, dans les années 80, on a dénoncé les zonages de la ville du travail, de la ville la ville de l'habitat, etc. Et puis maintenant, il faut quand même aussi se poser des questions sur même le zonage au niveau de l'architecture. C'est-à-dire que ce que trouvent les habitants de ce genre de zone, c'est le lieu où ils vont avoir à la fois la solidarité, l'activité économique et l'habitat. Parce qu'ils sont à des telles échelles dès qu'on va plus loin, dès que les activités sont séparées, etc., ces choses ne marchent plus. Donc là, en l'occurrence, Saint-Denis, c'est un autre grand territoire de bidonville. Il y avait un peu le bidonville original, celui le premier qui a été identifié par différents acteurs. Il s'appelait le Hanul. C'est celui qu'on voit sur ces premières photos. C'était Fiona Midos et Julien Belair hein, qui sont ici, qui avaient travaillé dessus à l'époque. Donc, la question, c'était travailler. Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que justement, alors, il ne veut pas qu'on parle de l'urgence, mais il y a un truc que l'urgence permet, c'est que tout d'un coup, on n'est plus contraint par la norme. Et là, tout d'un coup, il y a un champ énorme qui s'ouvre par rapport au développement durable. Et quand je dis développement durable, c'est développement durable au sens de Brundtland, c'est-à-dire que le développement durable, il est économique, social et environnemental. Et là, ce que Niklas a fait, c'est qu'il a utilisé les savoir-faire des bénéficiaires
et notamment de la question du recyclage. Hein, donc c'est du recyclage parfaitement légal. Il faut savoir d'ailleurs que les Roms ils rendent des grands services à l'économie. Veolia les paye parce qu'il n'y a qu'un Rom qui sait démonter une machine à laver, par exemple. Et aussi, justement, là, en l'occurrence, il y a plein de gens qui passent à du double vitrage ou du triple vitrage chez eux. Et il y a des quantités énormes de fenêtres qui sont à disposition. Et alors, les futurs bénéficiaires des lieux, justement, ils savent, il y a question de la ressource, ils savent où on les trouve, ces fenêtres. Et après, il y a une main-d'œuvre, il y a, comme Pascal Geoffroy le disait, il y a des savoir-faire. Et là, il y a donc une architecture qui est née au croisement, justement, de ces trois choses. Hein, parce que, encore une fois, les normes françaises, quand on parle d'environnement, elles se concentrent toujours sur la question de l'énergie. Mais elle ne parle pas du tout de la question du social et elle ne parle pas du tout de la question de l'économie. Et là, c'est un projet qui arrive à être à la croisée de tout ça, qui invente des détails, qui invente des dessins, qui invente des manières de faire, qui invente des programmes qui ne sont pas les programmes classiques. Donc là, en l'occurrence, on va dire que 90% du bâtiment qu'on va voir, c'est du recyclé. Alors il y a une enveloppe c'est des anciens Algeco, c'est le premier degré. Il y a des escaliers de chantier qui sont récupérés, des structures bois qui sont récupérées, et puis un système de double façade qui est également fait à partir de matériaux récupérés. Et là, encore une fois, il y a quelque part une leçon d'architecture pour nous tous. D'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que le système là, qu'il a utilisé, Nicolas Dunebacke, d'utiliser des fenêtres qui venaient de peu partout et de les assembler, du recyclage. Il y a un architecte belge qui l'a fait dans un bâtiment tout à fait officiel qui s'appelle Philippe Samin pour le bâtiment. Justice. Voilà. Si vous allez à Bruxelles, dans le quartier de l'Europe, il y a un seul bâtiment intéressant. Hein, tout le reste, c'est de la merde absolue. mais il y a un bâtiment, c'est celui qu'il a fait, où il a utilisé ce système, on va dire, de manière professionnalisée. C'est-à-dire qu'il a récupéré des fenêtres de toute l'Union européenne et il a fait une façade d'un très très grand bâtiment très intéressant. Mais peut-être qu'il ne l'aurait pas fait si... Alors, c'était un peu concomitamment avec Nicolas Dunebacke, mais il y avait quelques précédents qui existaient pour les gens qui s'intéressaient à ça. Mais c'est un endroit où, justement, l'architecture savante peut être nourrie par cette architecture que j'appelle néo-vernaculaire. Alors, ce néo-vernaculaire, on le trouve là, dans ce bâtiment, et puis on le trouve dans plein d'endroits. On le trouve dans la jungle de Calais aussi, où des gens qui viennent de ville, des gens éduqués, ont dû inventer une architecture avec très très peu de moyens. Donc là, dans ce bâtiment, encore une fois, il joue avec les. Il y a des détails qui sont inventés. Hein, ça on les voit maintenant, qui ressortent. Alors justement, on est complètement hors de la norme. On va dire qu'on est plutôt dans ce qu'on appelle des ATEX permanents, hein, des avis techniques expérimentaux. Ils les font eux-mêmes. Mais finalement, il y a une validité et puis d'ailleurs une tolérance sur le... Si un détail est imparfait, on peut l'améliorer. Et ça, c'est aussi une autre chose qui est très importante, c'est d'imaginer l'architecture comme un process. Il n'y a pas une date de livraison où on donne le bâtiment et puis on s'en va parce que on a fini notre mission. Et c'est comme ça qu'est structurée la commande en France. Mais là, on est dans quelque chose qui est un process, c'est-à-dire que l'accompagnement est continu. Nicolas Dunebacke, il y retourne régulièrement. S'il y a un détail qui ne fonctionne pas, eh ben, on le reprend. Et puis s'il y a un élément de programme qui ne fonctionne pas, eh ben, l'architecture va tolérer ces évolutions, un petit peu comme dans le bâtiment de Grishka. Donc là, on voit un peu ces principes. Alors, peut-être oui, cette photo, elle est importante. Stéphane, s'il te plaît. Cette photo, elle est très importante parce que c'est aussi une des choses du développement durable qu'on ne prend pas en compte souvent et qui sont extrêmement importantes, c'est la question du poids. Hein, et vous voyez que là, les éléments qui sont utilisés doivent pouvoir être portés par des hommes. Et ça, c'est aussi du développement durable. Hein, ça renvoie à une question que Buckminster Fuller posait
à Norman Foster dans les années 70, combien pèse votre bâtiment, monsieur Foster. Et là, aujourd'hui, elle prend une actualité nouvelle. Hein, parce que plus le bâtiment est léger, plus il est écologique. C'est un peu du bon sens. Donc là, vous voyez que dans les cadres de réflexion, il y a la question de la main-d'œuvre, de comment on va faire et de comment on va le porter, se présente. On peut passer à la suivante. Oui, la suivante, s'il te plaît. Oui. Voilà, donc là, voilà, on voit cette double façade hein, qui permet de gérer la qualité thermique du bâtiment, qui permet de générer des fonctionnalités, qui permet de générer des ventilations. Voilà, photo suivante. Voilà, et le bâtiment qui prend forme, donc avec une esthétique de la récupération, mais à laquelle beaucoup de gens sont extrêmement sensibles, en fait. Hein, y a pas besoin de... les architectes, ils sont sensibles, mais on va dire les habitants aussi, les dionysiens, ils sont aussi sensibles. On peut passer à la suivante. Voilà, donc, et peut-être que justement, ce qui est intéressant dans ce, quand on présente ce bâtiment, quand Nicolas, parce que c'est lui qui a fait cette mise en scène, c'est que ce bâtiment, c'est aussi, quand je dis que c'est un process, c'est qu'il est intéressant par son chantier. Hein, c'est-à-dire qu'on voit qu'il a différentes phases et qu'il continue à vivre. C'est-à-dire qu'il y a un moment, le bâtiment est fini, mais il va continuer encore après. Vous voyez différentes étapes de vie. Alors, une architecture, ça renvoie d'ailleurs à des vieilles questions architecturales, mais une architecture qui est liée au détail de construction, ce détail de construction étant lui-même issu d'une forme de nécessité. Une nécessité qui est à l'accroisement de la faiblesse des moyens, qui soit dans ce qu'on a pour travailler, et puis une technicité qui est celle qui est accessible à l'homme, entre guillemets, à celui qui touche, à celui qui porte, qui ne passe pas par des machines à commande numérique extrêmement sophistiquées ou quoi. Il y a un détail de la nécessité qui apparaît. Voilà, et cette fenêtre donc composée, qui est, entre guillemets, aucun architecte n'aurait classique, en utilisant des moyens classiques, n'aurait pu générer. Souvent d'ailleurs, il y avait une espèce de figure architecturale des années 90 qui marchait vachement, c'était l'aléatoire. Alors tout le monde recomposait de l'aléatoire. Là, ben, on voit que c'est du vrai aléatoire qui néanmoins a une rationalité qui est liée à sa fonctionnalité. Voilà, et puis des détails qui vont s'inventer, qui s'inventent en fonction de ce qu'on trouve, en fonction de ce qu'on a. Peut-être une forme d'esthétique du bricolage, c'est vrai, mais qui en même temps est au final de l'architecture. Et alors, ça pose aussi d'ailleurs, c'est un peu ce qu'évoquait Pascal Geoffroy à l'instant, c'est la question du rôle de l'architecte là-dedans. Hein. C'est-à-dire qu'on a un rôle qui n'est plus du tout le même, on n'est plus le démiurge qui compose, mais on est plutôt quelqu'un qui accompagne, qui a un triple rôle de... Il représente... Pour comprendre, pour dessiner, c'est par exemple le travail qu'on avait fait dans la jungle de Calais, où on a tout dessiné, tout relevé, pour dire que c'était un espace urbain, pour démontrer que c'était un espace urbain, un espace de vie, des architectures, et non pas, comme veut le faire croire le gouvernement, un amas informe. Je voyais Emmanuel Coste qui parlait de la boue. Il n'y a pas de boue à Calais, c'est du sable, il n'y a pas de boue. C'est toujours des figures qui reviennent comme ça. Donc l'architecte, il peut représenter le bidonville, nommer les lieux, les identifier pour les qualifier. Il a un rôle à partir de ça de projection, hein, c'est-à-dire qu'il va travailler avec les habitants pour projeter. Et il a un rôle qui est très de technique qui revient. C'est comme un médecin, c'est-à-dire qu'il se retrouve un peu comme un médecin. Il y a un diagnostic qui est poussé. Et il y a une technique, il est attendu sur la technicité. Ça renvoie d'ailleurs à la question des risques. Hein, c'est-à-dire que il est vrai que s'il y a souvent une faiblesse dans les bidonvilles, ça va être sur la question des risques, sur la question de l'incendie, sur la question de la résistance aux tempêtes.
Bon, alors souvent, en plus, ils ont les sites qui sont à disposition, c'est bien sûr les sites les plus inondables. Et donc, là-dessus, il y a aussi un apport de l'architecte sur la technicité à faire. Donc voilà, les maquettes... mais à la limite, on se demande s'il ne les a pas faites a posteriori, ces maquettes, hein, pour mieux comprendre le bâtiment. Parce que souvent, maquette didactique. Ouais, voilà. Il y a didactique et dialectique, hein, oui. Toujours. C'est-à-dire que c'est... oui, l'autre chose, c'est que le bâtiment n'est pas forcément dessiné a priori. Ça, c'est très important. Enfin, il y a un schéma global qui est fait, mais comme on dépend de la ressource, le bâtiment peut prendre des aspects complètement différents. Sa façade, encore une fois, avant d'avoir les fenêtres, il ne pouvait pas le dessiner comme ça. Nous, donc, c'était en 2013, on avait travaillé donc, dans un bidonville à Viry-Châtillon. On avait construit une salle d'eau et une salle de réunion. Les étudiants, ce sont les étudiants, donc à l'époque c'était à l'école d'architecture de Bretagne, maintenant je continue à Belleville, mais avaient dû complètement redessiner le bâtiment. On avait une géométrie, on avait des principes, etc., qu'on a conservés, mais il y avait eu des ressources qui en l'occurrence étaient aussi des fenêtres comme là et des caisses de déménagement en chaîne très solide. Et donc on avait une architecture qui s'était complètement redéfinie en fonction de ce qui était là à ce moment-là. Je voudrais poser une question, non pas à Cyril ou à Pascal, à Marc ou à Grishka, mais au commissaire. Je trouvais très intéressant, j'ai trouvé formidable que ce projet figure dans le pavillon, bien sûr, puisqu'il pose une question par ailleurs extrêmement importante, qui est celle, en effet, de l'habitat populaire, c'est-à-dire de l'habitat des gens qui n'ont pas accès au logement social. Car, me disait il y a 30 ans un grand économiste du logement social, n'oubliez jamais, madame l'architecte, que le logement social, c'est fait pour les salariés qui ont un travail. Point. Et ne nous demandez pas de faire autre chose. Et on touche les limites, je crois que tu le sais, on touche les limites tous les jours un peu plus de l'épuisement de ce modèle. Pour autant, il se régénère. Pour autant, il se régénère. Mais la question que je voudrais vous poser, c'est que il y avait dans cette exposition, et ce matin, un court-circuit intéressant, Frédéric, nous avons commencé avec les logements touristiques de Sauterre, c'est-à-dire un bel exemple d'autoconstruction rurale. C'est-à-dire deux jeunes architectes qui, finalement, librement, en milieu rural, renouent avec une tradition tout à fait anthropologiquement indiscutable, qui est le droit de chacun à construire son habitat. Et on la termine avec une équipe, enfin vous et aussi j'ai associé Nicolas, qui pose la question de que devient ce droit à l'habitat en milieu non plus rural, où on voit ressurgir, mais en milieu urbain, périurbain, et surtout pour les communautés qui en ont le plus besoin. Et ça, je trouvais quand même très remarquable que le pavillon de la France ait ouvert cette question, mais simplement ce court-circuit m'intéresse, parce que vous l'avez fait. Vous avez mis côte à côte dans l'exposition deux exemples d'autoconstruction, d'habitat populaire. Je pense qu'il faudrait creuser. Merci de réagir. Peut-être, oui. Enfin, en tant que commissaire, au nom des commissaires, essayer d'apporter une réponse aussi sur cette volonté d'avoir mis en résonance ces différentes expériences sur la question de l'habitat et du territoire. C'est vrai que c'est cette table ronde, mais le projet de ce matin en était un exemple. Où on voulait parler justement à la fois de ces nouvelles du front sur ces territoires, surtout dans les deux cas ici, des territoires normaux, voire des territoires délaissés, comme à Saint-Denis, où on a une réponse à chaque fois, une nouvelle richesse qui est soit sur de l'ordre du processus, comme à Saint-Denis, où on voit l'équipe qui a réussi à monter ce projet avec les habitants. À Montoire, on a une réponse qui est effectivement plus institutionnelle, mais avec justement un engagement et un projet à ce titre exceptionnel qui se confronte au lotissement et à l'habitat dans ces territoires. Donc, en fait, sur ces y a à chaque fois, c'est des cas différents. En même temps, c'est des cas qui sont toujours un petit peu à la marge, c'est-à-dire que c'est pas du tout des solutions qu'on voit partout sur le territoire. Non, les cas sont à la marge, mais les situations ne sont pas à la marge. Non, mais c'est les réponses qu'on a voulu, mettre en résonance et montrer justement ces différents territoires, ces différentes expériences, ces différentes équipes. Et à chaque fois, c'est toujours différent, c'est-à-dire qu'on n'a pas fait, on a voulu.
je dirais, compiler ces réponses pour, je dirais, pour donner de l'épaisseur justement à ces nouvelles richesses qui existent aujourd'hui en France. Mais Grisha souhaitait réagir. Ce que je trouve troublant dans ce court-circuit, comme tu dis, c'est que les projets, le projet qui a été présenté avant ou celui-là, c'est des projets que je trouve très intéressants. Personnellement, ils me troublent beaucoup parce que, comme je l'ai expliqué, nous, on travaille dans un cadre un peu plus normatif. Et aujourd'hui, il y a un clivage très fort, c'est-à-dire que nous, on construit des logements à Montoire pour des locataires. À Montoire, on a construit beaucoup de logements sociaux, mais à Montoire, je pense que c'est les locataires les plus pauvres avec qui on a eu à discuter. Quand on est, il y a des logements, il y a les jeunes qu'on a vus à la fin du, ils ont 20 ans, ils sont tous les deux, ils doivent travailler sur les chantiers. Bon, c'est des gens quand même avec des revenus assez bas. Mais le budget de construction qu'on a à Montoire, ou la qualité, je dirais, de construction qu'on a à Montoire, c'est quasiment la même que la qualité de construction qu'on a quand on construit des logements en centre-ville, bon, je vais rester dans les Pays de Loire, et des logements qui vont se vendre à 5000 euros du mètre carré. Donc aujourd'hui, c'est très clivé, c'est-à-dire qu'on a d'un côté une construction pour la majorité de la population, mais à la fois des gens assez pauvres et des gens très riches, et puis de l'autre côté, les logements que vous décrivez, qui sont pour une autre catégorie de population, et puis il y a un gouffre absolument colossal entre les deux, c'est-à-dire d'un côté une construction dénormée, assez libre, avec une sorte de réinvention de la discipline, et de l'autre, tout le reste. Mais tout le reste, c'est, je ne sais plus quel est l'objectif du gouvernement en termes de construction de logements, mais c'est quoi, 5 000, 10 000, 500 000 par an? Non. Oh, ça, c'était 105 ans. Oui. Bon, ça fait beaucoup par an. Donc, moi, ce qui me préoccupe, c'est comment ces projets-là, ils peuvent irriguer le reste de la discipline. Moi, ce qui me trouble, on va dire, c'est le fait que ces exemples, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de processus de sape des fondements de la discipline architecturale, de renouvellement peut-être, mais c'est ce qu'expliquait Constantin aussi avant, ou Loïc. Voilà, une sorte de grand tremblement de terre sur ce que pourraient être les fondements de la discipline, auxquels moi, je suis peut-être un peu plus attaché. et si on réfléchit à la question de la quantité, qui est importante, s'il faut construire effectivement, tu as dit, 500 000 sur 5 ans ? C'est l'objectif. Bon, c'est n'importe quoi, mais admettons. Forcément, cette quantité, elle ne sera construite qu'avec des grands groupes de bâtiments, que dans des cadres plus ou moins normatifs. Donc, moi, ce qui m'intéresse, mais c'est des sujets parallèles, mais c'est comment, qu'est-ce qu'on peut en retirer ? Parce que on ne les construira pas avec des processus d'autoconstruction. Donc, et en termes de quantité, j'ai l'impression que dans la balance, il y a une différence énorme. C'est-à-dire, comment on pourrait... Parce que le problème aujourd'hui, c'est que les logements classiques sont extrêmement normés. Et il n'y a pas d'intermédiaire, en fait. C'est-à-dire que le gros avantage quand on construit des logements d'urgence, comme tu le disais, c'est que tout d'un coup, hop, on invente le détail, on décide qu'une zone est moins chauffée que l'autre, ou, enfin, je ne connais pas en détail, mais j'imagine que ça peut être ça. Et ça, on ne se l'autorise pas dans des constructions classiques. De fait, les projets sont extrêmement longs à monter, extrêmement longs à construire. On met Montoire, 40 logements, on met peut-être 4 ans pour le faire, études, chantier, c'est extrêmement long, quoi, extrêmement long. Bon, voilà, moi, c'est ça qui m'interroge, c'est comment, finalement, réduire ce court-circuit. Comment profiter de cette sorte d'intelligence et de tremblement de terre, moi, c'est comme ça que je vois ça quand je vois les projets qui étaient présentés avant là, c'est qu'il y a, tout est remis en cause en fait, tout, les conditions de la commande, la manière de construire, etc. Et une forme de normalité qui est quand même notre condition. On est en France, on n'est pas un pays en développement. Il y a une histoire, il y a une histoire même administrative qui fait que tous ces processus de contrôle, ils ont un sens, ils ont peut-être une sorte de qualité qu'on pourrait y trouver. Là, c'est comment ça pourrait être informé. C'est une question que je pose, parce que j'ai pas la réponse. Non, moi, je voulais compléter parce que on aura l'occasion d'en parler en début d'après-midi, je pensais. En fait, dans l'exposition, les projets qui sont autoconstruits, par exemple, ne s'opposent pas, évidemment, pour nous, aux projets plus institutionnels, effectivement, avec un bailleur, un concours, je ne sais pas exactement.
Je pense que ce qu'on a voulu montrer, c'est plutôt ce, comment tout ce qu'on montre, en fait, c'est des projets qui ne sont pas faits dans une logique de produit uniquement fondée sur un marché, quoi, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un marché, on fait un produit qui est quand même le aujourd'hui, par exemple, la maison individuelle, c'est même un marché qui a été fabriqué, quoi. C'est-à-dire, et du coup, il y a une logique de produit qui répond à un marché qui lui-même a été fabriqué. Enfin. Et où finalement la qualité environnementale disparaît en général derrière un greenwashing ou pas d'ailleurs. Mais enfin bref, ce qui est intéressant, c'est que les projets qu'on monte, qu'ils soient institutionnels avec un concours, un bailleur, etc., ou associatifs, autoconstruits, etc., c'est des projets intelligents. Quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, c'est des projets qui réinterrogent l'ensemble. Du processus, et c'est exactement ce que tu disais, parce que là on a séparé en thèmes, là on a dit la construction, la démocratie, le territoire, etc., mais en réalité c'est tous les projets sont transversaux. C'est à dire qu'à un moment donné, pour faire un projet intelligent, on est obligé de réinterroger la structure, les modes constructifs, le rapport à l'entreprise, la manière de fabriquer le projet, la manière de fabriquer le programme, la manière de s'inscrire dans le lieu, la manière dont les habitants effectivement à un moment donné interviennent ou pas. Et c'est ça qui est intéressant, et à mon avis, c'est la seule piste possible pour arriver à répondre dans toute sa diversité à la question du logement pour tous. On ne peut pas répondre de la même manière, en fait, à des Roms qui ont des besoins très particuliers, et par exemple à la classe moyenne, avec toutes les évolutions aujourd'hui et toutes les inquiétudes et tous les doutes qui planent sur cette classe intermédiaire de la population. Mais j'allais dire, c'est pareil pour le tourisme. C'est pour ça qu'on a montré un bâtiment touristique. Le tourisme obéit pratiquement toujours à une logique de produit, d'une médiocrité et d'une normativité absolument désespérante. Et donc c'est intéressant de montrer que aussi pour le tourisme, dans des endroits qui sont assez chics, hein, là on n'est pas dans le... Enfin, c'est des gîtes, les gens... on n'est pas non plus dans le grand luxe, mais enfin, on n'est pas non plus dans le tourisme de base. Néanmoins, répond à un besoin de manière intelligente, atypique, en réinterrogeant en fait le processus de production. Non, juste pour rassurer Griska, par exemple, le regard qu'on a eu à Calais, c'était à notre manière le même regard que pouvait avoir eu Venturi sur Las Vegas. C'est-à-dire que, par exemple, je pourrais te montrer, c'est une mosquée qui n'existe plus, mais il y avait une mosquée dans un campement qui s'appelait Tioxide, enfin, c'était très intéressant de la comparer au pavillon de Barcelone, tout simplement, parce qu'il y avait des séquences spatiales qui avaient été trouvées, un mode de composition qui était extrêmement riche, tout en justement en enrichissant l'autre, ou une église éthiopienne qui avait un plan qui se référait au plan de Saint-Marc à Venise. Donc il y a quelque part, je pense que, enfin, je continue à aimer l'architecture classique, mais que il y a des choses à... Je pense que c'est peut-être par là qu'elle va se renouveler, c'est ça que je veux dire, l'architecture. À un moment où, tu vois, enfin, c'est pas à toi qu'on pourrait reprocher ça, il y a eu des dérives liées à l'informatique, à l'architecture du star system, etc., qu'on fait des architectures formelles, des architectures d'image, etc. Je pense qu'il y a un nouveau sens à retrouver pour l'architecture aussi à travers ça.